Le canister est un élément clé du système de gestion des émissions de votre voiture. Entre autres, le canister est un dispositif qui permet de recycler les vapeurs d'essence qui s'échappent de votre réservoir et qui pourraient autrement contribuer à la pollution de l'air. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionne le canister et pourquoi il est important pour la qualité de l'air que nous respirons. Qu'est-ce que le canister ? Le canister est un petit réservoir en plastique qui est généralement situé sur le capot de votre voiture, près du moteur. Il est conçu pour capter les vapeurs d'essence qui s'échappent du réservoir lorsque votre voiture est garée ou en marche. Les vapeurs sont stockées dans le canister et sont ensuite purgées dans le système d'admission d'air du moteur, où elles sont brûlées de manière efficace et éliminée. Comment fonctionne le canister ? Le canister fonctionne grâce à une série de soupapes et de tubes qui permet aux vapeurs d'essence de passer dans le réservoir. Lorsque le moteur de votre voiture est en marche, la vapeur est aspirée dans le système d'admission d'air où elle est brûlée. Si votre voiture est garée, le canister stocke les vapeurs jusqu'à ce que le moteur soit à nouveau en marche. Une fois le moteur en marche, le système d'admission d'air aspire les vapeurs stockées dans le canister et les brûle de manière efficace. Pourquoi le canister est-il important? Le canister est important pour la qualité de l'air que nous respirons car il permet de recycler les vapeurs d'essence qui seraient autrement rejetées dans l'atmosphère. Les vapeurs d'essence contiennent des composants organiques volatiles qui peuvent contribuer à la formation de smog et d'autres problèmes de qualité d'air. En recyclant ces vapeurs, le canister contribue à réduire la quantité de composants organiques volatiles rejetés dans l'atmosphère et améliore ainsi la qualité de l'air que nous respirons. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous désirez une formation, le lien est juste en description.